Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser au montage d'une roue avec deux roulements qui sont déjà proposés dans un sous-assemblage. Il va falloir, en fait, mettre en place ce système-là sur notre bras oscillant. Donc, euh, premièrement, on a les éléments euh, un peu rouges qu'on a ici, que c'est le bras oscillant x2. On va regarder sur la mise en plan solid edge et, euh, pour qu'il n'y ait pas de problème, euh, ouais, ces deux pièces-là, je vais les entre guillemets les colorier. Donc dans l'affichage, euh, je vais pouvoir les mettre directement en rouge. Euh, je mets rouge comme ça. Voilà. Donc euh, ça, c'est pour que ça soit plus facile. On est d'accord. Quand on regarde la vue, on est comme ça. Les éléments rouges que vous avez ici et ici correspondent à ce qu'on a ici le bras aussi là. Donc il va falloir rajouter un axe. L'axe, euh, on me dit que c'est un axe de diamètre 12 qui est fileté aux deux extrémités. Je vais tout de suite dessiner un axe. Ça me permettra de positionner très rapidement quelque chose, puisque l'axe, en fait, on voit bien qu'il y a deux trous dans cette pièce. Les trous qu'on voit ici euh, sur le fond, un peu, un peu gris à cet endroit-là. Donc l'axe va aller là-dedans. Euh, donc je vais euh, fichier nouveau, je vais créer une pièce, je vais faire très rapidement un axe, donc je vais faire une extrusion, je veux dire ce plan là, un axe de diamètre 12, donc je vais dessiner un, un cercle de diamètre 12. N'oublie pas euh, d'avoir les contraintes euh, au niveau des, des traits, donc euh, je vous rappelle inspection couleur des relations doit être cochée. Et euh, donc sur ce diamètre, ici on va passer à 12. La longueur, euh, j'en ai aucune idée pour l'instant, donc euh, je vais faire cette longueur là. Euh, et puis je sais qu'il y a euh, du filetage extrémité, donc je vais faire euh, un filetage. Donc un filetage donc je vais sur perçage, filetage là ici euh, je laisse tout par défaut je vais sélectionner le cylindre je vais sélectionner l'extrémité à partir de laquelle je veux faire le filetage ici je vais mettre euh, du m12 et naturellement je vais pas faire toute la longueur je vais choisir une longueur et je vais faire une longueur euh, de allez on va mettre 20 mm démarrer je fais fin voilà le filetage est arrivé il fait 20 mm bon c'est un point de départ j'enregistre cette pièce là je vais lui donner un nom hein, je travaille dans un répertoire je vais je l'appeler axe et je vais pouvoir récupérer cette pièce axe euh, qui n'est pas terminée hein, qui que je viens de commencer mais ça me permet de positionner un petit peu les éléments Vous voyez l'axe je vais le mettre euh, par rapport à ce trou là je vais la bouger un petit peu ici, mon axe, parce que le filetage va dépasser. Voilà, en gros, c'est comme ça. Euh, je vais aller maintenant mettre en place la roue. Donc, je vais chercher euh, la roue. Alors, c'est un assemblage de la roue. Voilà, il faudra faire attention quand vous allez mettre la roue, puisque à cet endroit-là, vous avez le disque de frein. Et le disque de frein, il est ici. Alors que là, vous voyez, ce n'est pas un disque de frein. C'est l'entraînement par chaîne de la roue. Donc, il faut mettre... Euh, le disque de frein au bon endroit. Je vais donc mettre en place une contrainte entre l'axe et puis euh, les roulements. Euh, là, je vais inverser ma contrainte et je vais pouvoir maintenant déplacer tranquillement ma roue. Elle doit être par là. Alors, il faudra que je maîtrise parce que la roue, elle ne doit pas être n'importe où. Il va falloir faudra que le disque de frein soit dans l'étrier de frein. Donc pour l'instant je m'en occupe pas trop je vais faire exprès de le mettre un peu à côté mais ben, il va falloir que je gère pas mal de choses donc là ce que je vais faire je vais déjà faire un enregistrement et puis euh, je vais ouvrir ma mise en plan parce que c'est quand même assez pratique d'avoir une mise en plan donc je reprends la mise en plan qu'on avait déjà fait précédemment je vais la mettre à jour et puis je vais faire une coupe. l'idée c'est d'avoir de trouver une coupe qui permet de voir la roue entièrement donc la liaison pivot mais aussi ce qui se passe au niveau du disque de frein donc moi je vous propose de faire une, une, une vue en coupe sur ce plan là je vais faire une coupe vous voyez, à plan brisé je vais fermer ma coupe et là cette vue là je vais faire la vue section et je vais la mettre par ici donc on va choisir ce plan là voilà donc là, je vais voir un petit peu tout ce qu'il y a ouais, On voit le disque de frein qui est dans l'étrier, pour l'instant. Euh, naturellement, ça c'est pas très pratique pour moi, donc je vais faire comme euh, une vidéo précédente. Je vais ne pas maintenir la relation, ce qui fait que je vais pouvoir déplacer ça ici et euh, je vais pouvoir grandir la vue. Hein, L'objectif étant pour moi d'arriver à bien voir ce qui se passe sur mon dessin. Donc j'ai pratiquement tout euh, sur, le, sur un seul dessin, ça peut être assez pratique pour voir. Donc globalement, là, il euh, va falloir que je regarde, c'est les longueurs. Et il va falloir que je place maintenant les entretoises. Donc je vais commencer par l'entretoise au centre. Je vais faire cette première entretoise. Et euh, l'entretoise, euh, bah, elle est située donc, au milieu. Et j'ai la longueur en fait de l'entretoise qui apparaît ici. Alors attention, il faut se mettre au suivant euh, deux points. Voilà, elle fait 76 mm l'entretoise. Donc cette entretoise faisant 76 mm, il va falloir que je crée l'entretoise de 76. Elle doit être plus grande que le diamètre de l'axe, mais plus petite que euh, ce niveau-là du, du roulement. Donc on, on, va, on va regarder rapidement ce que ça donne. Je vais dessiner une entretoise, donc nouveau. Euh, une pièce comme ça. Hop. Extrusion. On va faire deux cercles, donc je sais qui y... veut faire un cercle euh, accueil. Euh, on va faire un cercle ici puis un autre cercle à l'intérieur. Je vais mettre de la cotation tout de suite. Le premier je vais le faire à mettons à 14. Le deuxième je vais le faire à, euh, à 20. Je ferme l'esquisse, les je donne la longueur de 76 c'est la code que j'ai récupéré précédemment euh, et cette pièce bah, je vais tout de suite choisir de la mettre en couleur bleue euh, pour qu'on garde un peu les... les, les... alors là, il faut cliquer sur nom. et puis là je vais choisir une couleur bleue sur toute la pièce hein. voilà. fermé, j'enregistre je vais donner un, un, un nom je vais l'appeler entretoise centre voilà et cette entre -toi centre je vais pouvoir la placer, moi, dans mon assemblage, et elle va être au centre de la pièce. Donc, dans la pièce, donc, je vais la récupérer, bibliothèque. Entre-toi-centre, elle est là. Je la prends, je la dépose. L'extérieur va être centré sur, par exemple, ce diamètre-là. Et puis, donc là, c'est pas très pratique, on a du mal à voir. Donc, en fait, on peut cacher la roue. Ça va peut-être peut -être, être le plus pratique. Donc, euh, la jante, elle est là. Je la cache, ce qui fait que je vais voir un peu l'intérieur, je vois les roulements, oui, et donc je vais lui dire, je vais assembler ce plan-là sur le roulement qu'on a ici. Voilà. Donc la taille de l'entretoise est peut-être un petit peu grande encore. Il bon, ne faut pas faire plus grand. Je peux la modifier tout de suite, mon entretoise, comme j'ai mis des cotes. Je vais dire on va pas mettre 20. On va mettre 18. Voilà, je la réduis un tout petit peu. Voilà, j'enregistre, je valide. Euh, ici, euh, bah, j'ai mis mes pièces, donc euh, je peux enregistrer ce que j'ai fait. Je vais dans la suspension mise en plan, et puis je vais faire une mise à jour. Voilà, l'entretoise est arrivée. Bon, maintenant, bah, il sera intéressant d'avoir une idée de la largeur de ma pièce. Alors, le problème, c'est voyez Si je prends des, il faut que j'arrive à mettre des cotes entre ce trait là et ce trait là. Voilà, 160. Donc je sais que mon axe doit faire plus de 160. Alors imaginons que je mets 20 mm de chaque côté en plus pour le, fil pour le filetage. Donc on va le faire de 200. Donc l'axe je le modifie. Alors je vais, euh, je vais vouloir le, le copier. Donc je vais finir mon axe d'un côté, puis je vais complètement le symétriser tout simplement. Donc je vais faire euh, un, un chanfrein ici de, de 1 mm. Voilà. Je vais faire une longueur d'axe de 100 mm donc je vais modifier euh, la cote ici que j'avais faite comme ça sans valeur je la mets à 100 et maintenant je dis bah bon, tu vas me symétriser complètement la pièce symétrie de la pièce donc toute la pièce d'accord euh, par rapport à ce plan là boum la pièce elle est deux fois plus grande maintenant fin j'enregistre je retourne ici l'axe maintenant il est beaucoup plus grand je vais pouvoir le déplacer le mettre comme je souhaite je vais mettre à peu près comme ça, voilà, donc on commence à avoir quelque chose qui qui tient la route, euh, mais il va falloir maintenant que je maîtrise euh, donc la la distance euh, entre la roue et euh, le disque de frein, enfin, il va falloir que je vérifie ça. Je peux déjà mettre l'extrémité, donc l'extrémité, bah, il faut qu'on aille chercher un écrou de M12 avec... Euh, une, une rondelle de M12. Donc dans les composants standards sur le site, euh, donc je vais les chercher écrou H, écrou M12. Il y en a ici, donc hop, je vais l'enregistrer dans mon répertoire de travail. Et puis euh, j'ai des rondelles. Est-ce que euh, des rondelles plates moyennes Est-ce que je des rondelles J'ai des rondelles de M12, donc je vais les récupérer aussi. Hein. Voilà, et je les enregistre, où je travaille. Donc tous mes fichiers sont au même endroit. Je vais donc pouvoir retourner sur Solid Edge. Je vais finir la position de l'axe, et puis après on s'attaquera en, en finale à la position de, de la roue. Donc là, je vais récupérer euh, mes écrous. Alors qu'ils sont où Alors j'ai la rondelle plate M12, je la prends, je la pose tout de suite ici, et je cherche les écrous. Euh, ici, ici, je le place aussi. Donc on y va, on va placer un côté, donc j'assemble le plan de la rondelle sur le plan de la pièce rouge. Attention, on voit bien que là la rondelle est dedans, donc j'inverse tout de suite. Voilà, je vais lui dire que le cylindre de la rondelle est sur le cylindre de l'axe. Voilà, je vais faire la même chose avec l'écrou, le, le cylindre sur le cylindre, et ce plan-là sur le plan qu'on a ici on pourrait tout de suite faire la même chose de l'autre côté, donc je vais reprendre la rondelle plate, je la dépose ici, cette rondelle, je vais lui dire, bah, tu te vas sur ce plan parce qu'il a trouvé des, 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 des correspondances prédéfinies, donc tu vas sur le plan et tu vas sur le cylindre. Voilà, il je n'ai même pas eu besoin de cocher sur les, les, les contraintes, je vais reprendre l'écrou je le déposer ici, l'écrou, lui, il va falloir que je sélectionne ce plan là, qui va être sur la rondelle, et le cylindre qu'on va mettre ici sur la vis. Donc, on commence à avoir quelque chose qui n'est pas trop mal. Et puis, euh, je vais récupérer, euh, je vais récupérer mon entretoise que j'ai fermée tout à l'heure et euh, l'entretoise que je viens de créer. Euh, je vais en fait l'enregistrer sous un autre nom, fichier, enregistrer sous. Je vais enregistrer une copie et je vais l'appeler en entretoise et cette entretoise 1 va être d'un côté du système donc je vais la faire beaucoup plus petite parce que je j'ai pas encore les dimensions hein, donc je vais en faire une euh, je vais la modifier, je vais la faire euh, je mets je sais pas je mets 20 mm. Voilà. Et donc là j'enregistre et je vais commencer à placer cette entretoise euh, 1. Ah, alors là naturellement, je me suis trompé, j'ai créé entretoise j'ai modifié entretoise centre, donc faut pas hein. Donc je vous, vous faites pas avoir. Donc je remets 76 voilà, j'enregistre, et je dois bien, je vais fermer entretoise centre, je vais ouvrir entretoise 1, et c'est entretoise 1 qui doit être à une autre dimension 76, donc je, je mets 20 pour l'info. Au hasard, hein. et je vais placer cette entretoise 1, je vais la placer bah, par ici ou par là, je vais choisir d'un côté. Donc euh, je vais chercher mon entretoise 1. Voilà, je vais la placer bah, par exemple de ce côté-là. Donc, cylindre, cylindre. Cette entretoise, elle est positionnée ici sur le roulement à cet endroit-là. Et elle est positionnée de l'autre côté. Ouais, le plan qui est ici doit être sur cette petite pièce grise. Voilà, donc j'ai positionné. Maintenant, il va falloir que je gère la longueur de cette entretoise pour que ça soit correctement positionné dans l'étrier de frein. Donc euh je vais enregistrer déjà mon travail, l'information je vais l'avoir en fait sur ma suspension IKEA ici, je vais faire une mise à jour, là je commence à voir un peu tout ce qui se construit, ça va arriver. Et une fois que la mise à jour sera faite, je vais voir mes pièces qui viennent d'arriver et là ben, je vais en fait regarder de combien il faut que je déplace mon étrier de frein pour qu'il soit dans cette zone là. Et donc pour ça, bah on va essayer de faire une dimension ici. Je vais mesurer de là par exemple à là. On trouve 24. Et puis je vais mesurer euh, bah de là. Hein, de ce plan-là, il doit se trouver à l'intérieur, à à au moins collé à celui-là. Donc ça fait 12-25. Ça veut dire qu'il faudrait que je décale de 12-25, au moins, un tout petit peu plus, me, mon, ma, ma roue. Il suffit que je réduise de 12,25 mon entretoise 1. Donc là, mon entretoise 1, je vais aller regarder les cotes. J'ai une cote de 20. Voilà. La cote de 20, je vais supprimer les unités. Je vais faire moins 12,25. Là, je sais que je suis pile sur la face. Donc je vais encore enlever 0,2 par exemple. J'enregistre. Je valide. Je vais sur ma suspension. Je vais faire une mise à jour pour récupérer les contraintes, donc outils, mettre un jour le livre actif. J'enregistre ici. Et on va voir la suite sur une autre vidéo.